Il a été gardé en prison. Un autre juge est venu sans réquisitoire nouveau. Il va inculper Grenade sur la base des pièces déjà annulées. Toutes ces infirmités dénotent que nos magistrats pour bon nombre sont aujourd'hui des instruments au service du pouvoir, placés à la dévotion de l'autorité, rendant des décisions dont ils ne peuvent motiver. Et c'est pourquoi le plus souvent nous ne recevons pas, après le prononcé des choses, les arrêts. J'ai tenu, au nom du collectif, à présenter nos confrères que vous verrez régulièrement auprès de nous. Nous avons les dossiers des victimes des manifestations de l'opposition démocratique, les 94 victimes mortelles qui seront très bientôt formalisées et plaidées devant les instances supranationales. Et nous serons aidés en cela par nos confrères. Nous avons un grand spécialiste. Il aura le temps de s'adresser à vous. Il n'appartient à aucun parti politique. Il ne l'envisage même pas. Mais il est pour le droit, pour l'égalité, la légalité et le respect des droits de l'homme. Partout où ceux-ci sont violés, il est présent. Nous allons leur passer la parole pour qu'ils vous disent quelque chose.